L'association Trace d'Errance nous invite à l'évasion ce week-end avec le premier festival Carnet de Voyage. On expose à la fois des carnetistes, donc on en a 16 là cette année, et on a aussi deux éditeurs de très grande qualité qui sont Aquinomé et puis les éditions Apeyron. On a proposé aussi un espace pour un photographe de Carcassonne qui est Didier Allemand, et puis un deuxième photographe aussi de Carcassonne qui est Monsieur Baudou. Il y aura un cycle de conférences aussi tout au long de cette exposition, avec un temps très fort, avec les carnets de voyage de l'Orgeril, du château de Penautier, qui vont présenter des carnets qui sont des carnets familiaux de la maison de l'Orgeril, qui datent de 1780, enfin c'est des merveilles, et vraiment rares, qui vont sortir du château juste pour nous, samedi donc après-midi. À noter également l'exposition de carnets de voyage réalisée par les élèves des établissements scolaires de Carcassonne et de sa région, qui leur a demandé 5 mois de travail. C'est une succession de rédactions, de dessins, de collages autour du thème du voyage. Nous avons travaillé sur les destinations que les élèves auraient aimé découvrir, les monstres qu'ils n'auraient pas aimé rencontrer, les animaux qu'ils auraient aimé rencontrer, le lieu auquel ils auraient aimé donner leur nom. Voilà, des petits exercices qui leur ont permis de s'exercer à la rédaction, à l'imagination. Et voilà, on s'est amusé pendant 5 mois. On a été associé au collège de Honneau de Chartres, qui eux aussi ont exploité le thème du carnet de voyage sous différentes formes. Nous, c'est académique, c'est dans un cahier. Eux ont travaillé aussi sur le format avec du papier brûlé, du papier colorié, la fabrication du carnet à part entière. Quant aux élèves, ils ont déjà une idée précise des pays qu'ils aimeraient visiter. Aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, aller au Japon. Ah, t'as choisi le Japon comme pays ? Oui. Pourquoi le Japon ? Ben, parce que j'aime bien les mangas, tout ça. Les États-Unis. Moi, j'aimerais bien aller en Martinique. Après, je suis déjà allée en Réunion, mais j'aimerais bien aller en Martinique. J'aime bien les îles, apparemment. Ouais. Ben, parce qu'il fait beau, il fait chaud et l'eau est belle. L'exposition Carnet de voyage est à voir jusqu'à dimanche 18h à la Chapelle des Dominicaines à Carcassonne.